J'espère que vous allez vous régaler sur cette journée de live aujourd'hui. Florian, c'est toi qui démarre. Allez, ben on y va. Tu vas démarrer la journée. C'est parti. On va peut-être un peu le. Vas-y. Un petit peu l'ordre. Bah écoutez un petit peu. Écoutez pour l'instant. Allez, donc on va commencer. Tout est dans l'ordre. Ça va passer dans l'ordre. On commence avec le petit coup de jeu. Ouais, c'est parti. Prix de départ à 1€. Prix de départ à 1€. Tout est à 1€. Voilà. Vous avez les photos. Je ne sais pas si on voit mieux comme ça ou pas. Elle est très propre. Elles sont toutes, globalement, vous allez voir, hein, elles sont toutes plutôt propres. Happy Valentine's Day. Hello Romain, si cette vidéo a 2500 pouces bleus, tu me le fais à 7500€. Laissez un pouce bleu les amis, abonnez-vous. Achetez chez la Ligue du Jeu. Ça fait plaisir. Plus. Toujours plus. Et ça, je te souhaite tellement de l'arracher ce soir. Déjà que tu fais n'importe quoi là. C'est quoi cette putain de box, mais celle-là, si tu peux la taper. Puis elle est propre. Non mais attends, non, mais, enfin, moi je m'en... Enfin oui c'est exactement. Ma carte, donc ok elle est propre. Autant mais... l'autre on voit bien les rayures du sol tu vois, mais je pense que c'est la carte qui est plus claire, donc tu le vois beaucoup plus. Je suis la clarté de la carte. Parce que là t'es sur les nouveaux cases, donc les cases sont quand même très clairs, donc tu vois bien les défauts. Si tu veux tu peux dessaper la... J'en ai d'autres quoi, donc... C'est trop beau. Voilà ouais. Ce qu'on va tirer ce soir. C'est stylé, hein. Il faut que tu l'invoques. Là, c'est ça qu'il faut invoquer. Là. Un petit, j'avais oublié le petit pyrolu. C'est des cartes que je vois jamais parce que, bah, évidemment, ça ne dort pas chez moi. Hein. C'est pas toi qui l'as ou pas? Ah non, c'est pas moi qui l'ai. Tu devrais pouvoir récupérer. Ça, je vais. Le seul défaut qu'il y a, c'est une voiture. Incroyable. Ah, moi, c'est ce que je veux le plus. Le Caputop, c'est la plus belle carte type O du Block Wizard. C'est tout. Salut, donc moi c'est Thibaut de l'équipe Vogt. Je gère Vogt pour la France et le Benelux, la Belgique et les Pays-Bas. Je suis ici à Limoges, en direct de Limoges, d'où je viens également en fait. Mes parents sont de Limoges et je viens ici depuis que je suis tout petit. Et depuis qu'on travaille avec l'équipe d'Invest Collect et de la Ligue du Jeu, il y a bientôt un peu plus d'un an et demi qu'on a démarré l'aventure ensemble. On a toujours eu des super shows de la part de l'équipe d'Invest Collect avec des items exceptionnels de leur collection. Je pense à un live BlockX notamment qu'on a fait ici en direct de la boutique. Mais aujourd'hui, on est là pour une raison vraiment exceptionnelle. Un show qu'on n'aura jamais vu et qu'on n'aura plus jamais sur Vogt de cette ampleur-là. Une display Pop 1 qui va être ouverte en live sur l'application. Et pour nous, c'est une opportunité exceptionnelle de faire partager avec la communauté Vogt et avec la communauté des collectionneurs Pokémon une ouverture légendaire avec à la recherche des plus belles cartes de la série pour que Romain complète sa collection. Et on espère le vivre en direct avec tout un tas de gens qui seront connectés sur l'application. Vogt a été lancé il y a 2 ans dans le but de fournir une plateforme aux passionnés de cartes Pokémon et aux collectionneurs de cartes Pokémon pour échanger, acheter, vendre. Aujourd'hui, on va être beaucoup sur l'échange et sur la découverte en direct des items et des cartes qui vont sortir. Et voilà, on espère, on sera de tout cœur avec Romain et l'équipe d'Invest Collect pour essayer de trouver les plus belles cartes de la série. Et on est ravis en tout cas de pouvoir accompagner cette aventure-là et de pouvoir l'accueillir sur notre plateforme aujourd'hui. Néo, pendant des années, il n'y en avait pas. Et donc quand c'est sorti, c'est un petit peu la consécration de tout collectionneur de scellés, surtout sur le français. Donc voilà, un petit peu d'émotion à l'ouverture de cette display, mais aussi pour beaucoup, ça reste que du Pokémon. C'est plusieurs années de collection qui se concrétisent avec une ouverture de boîte aujourd'hui. Ah, c'est parti. Bienvenue à tous, on est là aujourd'hui. On va ouvrir cette merveille. Comment ça va se passer? Je vais ouvrir délicatement le scellé de cette magnifique boîte, avec grand soin,
contrairement au display diamant et perles que j'ai ouvert la dernière fois. Donc dedans normalement 36 boosters. Notre cher maître Pérez va nous peser ses beaux boosters pour essayer d'isoler. Statistiquement, il y a 12 lourds dans la display. Donc ça peut être plus, ça peut être moins. On espère plus, on espère pas moins. On va essayer d'ouvrir les 12 plus lourds. Sachant qu'il y a une petite surprise, c'est que j'avais un R7 et ce booster-là est lourd. Donc il sera ouvert avant l'ouverture. Mais comme Vincent est jaloux, il faut quelque chose à ouvrir avant aussi. Jaloux. Tout de suite. Et va ouvrir ce magnifique booster Ex-Force caché, ouais, qu'on espère lourd. C'est l'amuse-bouche. On va ouvrir les 12 boosters lourds. Et puis dans la soirée, on vous proposera un booster léger en vente, prix de départ à 1€. Et après, on avisera, sachant que bah voilà, il y a des R7 qui ont été vendus. On ne sait pas quelles illustrations va y avoir sur les lourds. Première incertitude. Deuxième incertitude, on ne sait pas s'il y aura le nombre d'illustrations égales dans la display. Ça arrive, on l'a vu sur Genesis édition 1. Et on ne sait pas si Vincent va bien faire son travail et bien peser les boosters. Est-ce qu'on doit en ouvrir plus que 12? Ça, c'est une autre incertitude. La pression, quoi. C'est vrai qu'il prend toute la pression. À partir de ce moment-là, voilà, il y a beaucoup d'incertitudes, donc on ne sait pas trop ce qui va se passer. Il y a des guests plus qui vont venir ouvrir un booster également. On fera la surprise au long du live. Avant d'ouvrir la boîte, on va ouvrir les deux autres boosters pour retarder ce petit moment le plus possible. C'est vraiment le pire. Tu commences? Allez. On va mettre les gants. Allez, vous êtes prêts à ce qu'on ouvre du G.I. Joe dans la display? Duel Master, Duel Master. Moi j'ai dit Dinosaur King, c'est un peu mieux. Allez, donc Force Cachée, peut-être la deuxième meilleure série du Block X. Derrière Deoxys. Merci. Ouais, bien sûr. Qu'est-ce qu'on veut? Bah, on veut tout en fait. Les ex sont magnifiques. Toutes les rivers sont prenables. Ouais, c'est trop bien. C'est la meilleure série. Écoutez, tu sens le Lugia Simularm Reverse? Tu connais la manip ou pas? Il n'y a pas de manip. Nous, on a du mal à manipuler. Encore lui, il a faim. Oui. Tu trembles un peu. Il a la tremblote, hein? Oui, il a un peu. Oh, bah tiens! Oh, oui, ça c'est bon. Ça c'est dingue! Oh, le dingue! Ah, ça c'est trop beau ça. Ou l'aigle, ouais, c'est bon. J'ai pas une meilleure reverse! C'est une meilleure reverse! Les mecs! C'est The Reverse de la série, quoi! Bon, malheureusement. Electek en rare. Mais on s'en fout! La reverse c'est une masterclass! Bon, maintenant on connaît le tri, donc. J'avais annoncé un Lugia. Ouais, c'est bon. Trop beau. Trop beau. Allez, poudre maléfique. Par contre, je peux pas te filer. Il est beau le sécateur. Comme on est, ça va pas du tout. Bah oui. Ah, tu commences pas, hein? Oh, tiens! Ouais, mais il est pas beau celui-là. Tu voulais un Watt-Watt? Ouais, mais. Non, un beau. Avec un gros stamp édition. Ni magma. Oui, c'est le plus beau. Un Onyx. C'est le plus beau de tous. Merci. Ouais, ça va, c'est une bonne reverse. Il y a une négociation d'ouverture de Neo Genesis édition 1 que j'entends. Mais non! En gros, moi j'ai un léger. Ouais, c'est maintenant! Allez, Nico, c'est maintenant! Je récupère ton léger, on est d'accord? Oui! Mais c'est toi qui as venu l'ouvrir. Eh ben, on va ouvrir un Neo Genesis édition 1. Ouais! J'espère qu'il est lourd. Ouais, regardez, des beaux boosters. Donc tout gros tout là, c'est ça? Ouais, c'est ça. Non, on va pas être que des. Bon, allez. C'est la surprise du siècle. Bon, bah c'était pas prévu, mais voilà. Ouais. C'est parti, ouais, ZZZ, ouais. Let's go. Les gens, vous êtes trop pressés. Il faut apprécier l'événement quand même. Parce que bon, c'est pas tous les jours qu'on aura ça. Hein. Trah là là. T'as la pression là. Là, il a la pression là. C'est toujours un plaisir. Ouais, il est pas serein. Il est pas serein. Oh. Regardez comme il tremble comme une petite feuille. Ouais, ça va. Ça y est, c'est fait. Voilà, c'est fait. C'est bon. Pas de regret, Nico. Ah, c'est du diamant et perle. J'ai le cœur qui va un peu fort aussi. Je suis prêt à avoir un Lugia à sortir. Aïe, aïe. Peluche, mais il le fait. Allez. Alors, je le tri, je me rappelle plus, mais. On s'en fout. C'est parti, on a une petite baie. C'est la marche des Pokémon. La marche des Pokémon. Oh, ça c'est beau. Snubbull. Tellement de souvenirs. Je crois que c'est après les communes. Allez. Serfrous. C'est après des gens. Tu peux pas prendre ton temps là? Oh, c'est règne de glace ou quoi là? Oh, mais je sais pas, les gens ils sont pressés. C'est bon, frérot. Ah, petit Hérissand, ça c'est bien ça. Hérissand, allez. Petit Pikachu, non? Ok. Marc Acrin. On va avoir du blanc là.
Couchignon. Ah, donc. Ah non, c'est. En fait, c'est les énergies. Il y a deux énergies en dessous. Ouais, et t'as le loup est devant. Ouais, donc c'est bon. Il n'y a pas besoin de tri. J'ai peur, je vois un pet sur la carte. Allez, jeu de chance. Il y a un point de silvering, c'est une holo. C'est après. C'est une holo. Oh, 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 oh. Oh, ça sort. Oh, non. Flora vol. Flora vol. Ah, s'il y a côte au vol, je pars. Il y a un bon. Allez, Lugia, Lugia. Attends, Lugia. Lugia. Vous êtes prêts? Scarino. Ça va, ça va, ça va. Bravo. Les bonnes print lines. Ouais, là on la voit. Là on la voit bien là. C'est un peu dur. Énergie combo. Du coup ceux qui ont des Neo Genesis Eden, bah faut l'ouvrir quoi. Bon, c'est bien, tu as ouvert. Moi aussi j'ai envie d'ouvrir. Allez, allez. Allez. Oh putain, là c'est sérieux là. Oh c'est sérieux là. Premier booster. Neo Discovery Edition. Illustration Noctali. Potentiellement lourd. Ouais, c'est parti. Il y a Thomas sur le live. Ah là là. Ça sent la colle. Comment ça, ça sent? Non, c'était une blague. C'était une blague. Faut trouver le l'Olympia, évidemment. Pour une exclamation billetterie. C'est trop beau. Bon, comme d'habitude, j'ai jamais ouvert un booster proprement. T'aurais pu t'appliquer quand même pour ton premier. C'est sombre. La pochette vide, elle vaut quoi, 300, 400 euros la pochette vide? Ah bah, vu comment il l'a ouvert. On vendra à Pokémon. Mais non, mais c'est vrai. Non, oh là là. Y a pas de clash. Allez, bon, y a pas de tri à faire normalement. Allez. Parce que sur les deux, y a pas. Allez, c'est parti. Natu. Oh, c'est tellement bon. Aspico. C'est 1000 euros la Coenco. Ok. Franchement, je suis pas gâté sur les Coenco quand même. Attends, tu viens de commencer. Boîte Watt derrière, ça serait bien. Celle-ci, c'est la plus belle de toutes. Et moi aussi, il est beau. Il est très mignon, ton mouton là. C'était ton objectif. Hein. Oui. C'est bon, je peux arrêter. Bon, les gars, je vous remercie. Merci pour tout. Hein. Juste une commune en fait. Ok, arche d'énergie. Pomme de pique. Cocon fort. Ça c'est beau ça. Hein. Ça c'est très beau. Oh là là, c'est une catastrophe. Ah bah t'as les deux quoi. T'as pas eu à ton. C'est quand Romain là? C'est quand Romain? Il reste deux cartes là. Il reste deux cartes? Elle est derrière. Oh putain, tu m'as fait peur là. C'est pas Zarbi. Ah, pas c'est pas double Zarbi. Pas de double Zarbi. Hein. Parce que c'est une holo. C'est pas la même teinte. Alors, tu veux dire quoi? Ça c'est bien? C'est bon signe. Que l'Orient. Que l'Orient. Elle est très jolie. Par contre, on parlait des défauts de prod là, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Je sais pas si vous allez le voir en direct. Ah, c'est même pas les print lines là, ça a frotté. On commence doucement. Le bac ça va. En vrai, le bac ça va. Mais Lolo, c'est une catastrophe. Il va dire un là. En fait, tu vois que ça a frotté dans le booster. Là, peut-être. Il y a un petit peu. C'est parti. Ah, c'est pas fini encore, c'est pas fini. Quelle violence. Aïe. Aïe, 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 aïe. Je saigne. Voilà. Putain. Elle a quel âge cette boîte déjà? Elle avait 22 ans. Elle est morte si jeune. Elle est morte si jeune. Je sais pas si le blister c'est un faux. En tout cas, ça ressemble à... C'est bien fait, hein. Il dit des dingues. Allez, Romain. On va vendre le blister. Qui veut le blister? Le blister est Eden. T'imagines, le Eden, il est sur le blister et pas sous la boîte. Il est toujours là. Tu peux mettre le cutter en euro. Ah, c'est l'horrible. Est-ce qu'il va y avoir du néo dedans? Là, c'est super important. Là. Devant tous ces téléphones. Allez, du révélation. Du révélation. Oh, révélation, c'est oui. Ah oui.
Oui, oui, c'est bon. Oh, ils sont perfects. Oh, ils sont pixels. Hein. J'ai même pas envie de les toucher tellement ils sont propres. C'est parti. Hein. Oh la dinguerie. Oh là 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 là. C'est sombre. C'est sombre. Je trouve un peu, j'avoue. Ah, c'est sombre. Donc là, on va peser les boosters. Tu les pèses sur le dos pour pas les baser. Bien sûr. Parce qu'ils sont trop beaux. On va prendre notre temps. Donc ça c'est 21. Oh ça pue. Oh ça va être un enfer. Tu sens que ça... 21-08. Ouais juste. Combien le premier? Combien le premier? 21-01 et 21-08. Ouais. Bon on a tout ça. On a 12 boosters. Un seul Noctali je crois. Non, 2 Noctali à ouvrir. Bon allez on va pas se poser 36 000 questions. C'est bon on est parti. Maintenant faut ouvrir. Ça ouvre. Allez. Maintenant faut qu'on ouvre. Allez, on est reparti, c'est bon. Ça commence par quelle illustration, Romain? Illustration Cisaiox, excusez-moi. Pourquoi Cisaiox? Pourquoi? Comme ça au hasard? Au hasard. Au hasard, pur hasard. On a pu faire... Les holos que tu veux absolument. On veut Kabutops en premier, Noctali en deuxième, Mentali en troisième, Tyrannosif en quatre. Qu'est-ce qu'on ne veut pas, Romain? On veut tout, on veut tout, on veut tout. Sauf Magnéti. On veut tout, parce que si on dit qu'on veut pas des choses, on va les avoir. Donc on veut tout. Voilà. S'il n'y a pas de Tyrannosif, t'as pas ton arcette. On fait ça ? Ah bah d'accord. On fait ça ? C'est Tyrannosif ? Bah t'as ton arcette. On a pas ça. Bah oui. Allez, c'est parti. Let's go. Ah, c'est le premier. Il est bien ouvert. Il est bien ouvert. Et t'as des cartes aussi. On regardera ça tout à l'heure. Oh là là là. Trop beau, trop trop beau. Mais regardez-moi ça si c'est beau, putain. Allez, Titar. Mimigal. Écoutez-moi ce silence, ça fait du bien. Débugant encore, eh, oh non. Eh, c'est le même start, non? Non, non, Titar est mieux. Ouais, d'accord. Il y a What What derrière. Oh ouais, il y a What What derrière. J'ai un peu peur du pattern quand même. C'est pas le même sur la zone. Ouais, quoi après. Ouais, c'était ça. Aspeco. Ouais. C'est la planche Wizard. C'est Crisacier normalement. Crisacier ? Non. C'est Cocofort après, non ? C'est Crisacier ? Ah non, ça c'est bon. On l'avait pas vu. Le reste se brise. Après, le problème là, c'est qu'on est sur des séries qui ont très peu de cartes. Donc tout ce qui est commune, Enco, ça revient très très souvent. Il y a moins de 4 que de Foulard dans le V4. C'est vrai. C'est ça le pire. Pomme de pique qu'on avait eu aussi. Chut, ça m'inquiète un peu quand même. Oh. Oh. Tiens, tiens. Est-ce qu'il y a un confort après? Ma mère a déjà eu. C'est bientôt là, non? Ah non. Oh, oh. Ça c'est pour moi. Est-ce que c'est un appel? Est-ce que c'est un appel? Zarbi. Ah, mais il y a beaucoup de Zarbi aussi dans la série, donc c'est normal. C'est Enco, c'est Enco. Allez. Oh, Magnéti. Non. Oui. C'est une rare, c'est une rare en plus. Non, non, mais non, non. Oh là là. Oh mon dieu. Oh, ça sent pas bon ça. En plus, c'était très lourd. Vincent. Comment as-tu osé, Vincent? C'est terrible. Ça, ça sent pas bon ça. Ça sent pas bon ça. Ça sent. Elle ne brille pas. Aïe aïe aïe, aïe la clim. Pour ceux qui avaient regardé la vidéo Destiny Edition 1 en anglais, vous savez ce que ça va faire. Un des plus lourds. Mesdames et messieurs, bonsoir à tous. C'est là la carte. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une boîte de 36 boosters qui vient d'être ouverte, je pense que vous êtes au courant. Tous les boosters ont été pesés. Il est censé y avoir 12 boosters plus lourds que d'autres. Dans ces boosters-là, il y a des cartes Pokémon holographiques, des cartes Pokémon qui brillent. C'est ces cartes Pokémon-là qui valent de l'argent. Le premier booster qui a été pesé, qui était soi-disant lourd, était finalement léger. Donc ça remet toute la pesée en question. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Romain Chat, Invest Collect, repèse tous les boosters un par un sur une table sans tapis et on va refaire les poids. Parce que là, effectivement, c'est des erreurs à plus de 10 000 euros. Même si c'est cool d'ouvrir un booster, d'avoir une carte rare, le principe, c'était d'avoir 12 holos.
Donc c'est une situation de crise, mesdames et messieurs. Et j'aimerais bien qu'on envoie un maximum de cœurs dans le chat pour la Ligue du Jeu. Pour Vincent Pérez et pour Romain, je ne veux voir que des cœurs dans ce chat pour cet événement. Allez, que des cœurs, mesdames et messieurs. Envoyez des cœurs, là. C'est incroyable d'ouvrir une display comme ça. Les amis, le premier booster va être ouvert. Enfin, le deuxième booster va être ouvert. C'est parti, mesdames et messieurs. Merci d'avoir patienté. Merci à vous, vous êtes adorables. Allez. Rebonjour à tous. Enfin, rebonsoir. Merci à tous d'avoir attendu. On a pris un peu de temps. Ouais. Vraiment désolé pour cette petite attente. C'est parti, je vais réactualiser le chat. C'est parti. Allez, tira, parce que c'est Vincent. Voilà. Exactement. Mais ce sera quand même le mien. Zut alors. Ah ouais, mais il va tellement te faire chier pour le reste de ta vie pour l'avoir. Tu vas le lâcher. Donc, Ah, ça commence bien pour Romain Chat. C'est un what? Oui. Youpi. On le fera gagner aussi. CAP boucherie charcuterie. Ouais. Allez, c'est parti. What? Let's go. Encore lui. Encore le débutant. C'est quoi cet enfer là? Allez les gars. Allez. Ah oui, encore le Aspico. Encore le Asolordo. Ah, un Zarbi I. On l'avait pas eu. On l'avait pas eu de Zarbi I. Pomme de pique. Allez, qu'on avait. Allez, une holo, hein. L'Arche d'énergie, ouais. Je vais même pouvoir faire le 7. Je vais pas pouvoir faire le 7, j'ai toujours mes cartes. Ah, le mur en ruine, ça c'est bien. Alors ça. Qu'est-ce que c'est, Vincent, cette petite illustration? Oh, mais j'avais déjà expliqué en vidéo. Non, mais en fait, c'est le puzzle de Kabuto qu'on faisait pour accéder aux ruines avec les ruines alpha, quoi. Merci, Mathias. Ouais, dans quel jeu j'ai l'impression que c'est pas la même teinte. Donc, trop beau celui-là, trop beau. Allez Vincent, c'est maintenant? Non. Ok. T'inquiète. Ok. C'est pas le même pattern des les Zonko. La statue est très belle. Allez, Vincent. La première holo. Allez. Oui. Ça c'est beau, putain. Ça m'a l'air très beau. Très bon. Let's go! Ça sent le 10. Ça sent le 10. C'est très bon. Ah, ça va mieux. Regardez-moi cette dinguerie quand même. Trop beau. Il est trop beau. Il n'y a pas de prick line, c'est magnifique. Ouais, la couleur elle est parfaite. On rattrape le magnétisme. Ah, la couleur elle est trop belle. Je te laisse pas ce qu'il est. Ouais. Trop beau. Ouais. Ça fait partie des top cards. Ouais, j'en ouvre encore un autre. Je tire une holo et après je laisse ma place. 21-18. J'ai tiré une rare, donc je suis quand même pas serein. Ah, les boosters, c'est un enfer. Voilà. Non. Ça part en guillot. Le bout de. Allez. Je me suis pas spoil sur la couleur de la carte. Est-ce que je vais prendre une clim? Mais non, allez. Petit tard. Il me regarde avec ses yeux en mode. Débugant. Qu'est-ce que serait un booster sans débugant? Et qu'est-ce que serait un booster sans wet derrière du coup? Ah non. Non, on explique quoi. Wet il arrive. Et il après. Va y avoir un solo d'eau. Cocon fort. Non, on a tué. Ça va. Ouais, on a pas eu Ambrilex, mais il est moche. Désolé. Il y a combien de traîneurs dans la série? 4, je crois. Ok. Ouais, c'est pas beaucoup. Il y a qu'une commune, c'est celle-là, je crois. Mimigal. What? Ah. Il va avoir un binder de what? On a pas eu l'énergie? Non, on n'a pas eu l'énergie, mais c'est nous. Oh, ça c'est mignon. Ça c'est bien. Ça c'est très bien. C'est quand Lolo là? C'est après, encore, tranquille. Encore deux cartes. Deux Zunko encore. C'est quoi ça? Oh, ok, mal aussi. Ok. C'est bon. Il peut briller aussi celui-ci. Hein. Ouais, mais il est en feu. Là, il est en ténèbres. Allez! Allez! Mettez-le! C'est après. Encore une. C'est Nolo, c'est Nolo. Allez, Mentali Noctali. Allez! Ah là là! Tu fais un. Allez! Hein? Mou! Non! Oh, le démarrage de mort là! Incroyable! Non mais, elle est incroyable! Mais on a eu. Quand on a un type obscur dans des Discovery, on veut pas des molos! Bravo les gars, bravo! Ok, elles sont propres.
des petites mouchetures, tu sais, comme il y avait sur les... J'ai l'impression que c'est propre à la série de façon à la mouchetures. Ouais, le centrage est top. Le centrage est vraiment bon. Franchement. La surface solo est. Ah, il y a un petit truc là. Une sprintline. C'est pas grave, ça sort neuf ça. Faut que Laurent et David ouvrent un booster. Ah oui, c'est vrai. Les gars, ouvrez maintenant. C'est pas obligé, les gars. Moi, franchement, c'est. Allez, David. Sûr ? C'est pour votre. À vous sur chacun. On ouvre lequel ? Vous choisissez, je prends le plus. Je reste derrière vous. Qui va prendre le Dali ? Non, c'est quoi ? C'est un de ces deux-là ? On a terre 15, on a terre 14. Les gants. Tu me sors. Les gants. C'est quand même chaud, hein, 21-14. Là. Ok, mesdames et messieurs, merci à la Ligue du Jeu pour ce moment. J'aurais pas pu me le permettre. C'est un grand honneur. Merci Romain, merci Vincent. Merci à toi d'être présent. Et où Vincent ? Où est-il ? Vincent ! On remercie Vincent. On pense à lui. Il y a pas de manip, hein ? Il y a pas de manip. À deux doigts de l'exploit ou de la rare. La chute terrible. Bon, on sent, on sent le métier là. On sent la Combien de boosters par mois tu ouvres ? Par mois, on est sur. Sans faire Pablo, on est sur 4 ou 5 000 boosters, je pense. Voilà, on sent l'ouvreur compulsif. Bah, j'aime ça. Hein. Tu vas avoir mal au bras toi ce soir ? Allez, Natu. Tu sleeves ? Ouais. Je sleeverai pour toi. Aspico. Allez. Aspico. What what ? Allez, un what what. Non, début grand, excusez-moi. Et qu'est-ce que ça serait ? Allez, petit début grand. Allez, le what what. Quand t'as vu une holo là ? T'avais vu que ça. J'ai rien vu du tout. Ok, ça c'était pas. Non, en fait, tu vois la différence de teinte. D'accord. L'holo va avoir le jaune un peu plus clair. Et j'ai pas envie de regarder, j'ai pas envie de me faire. Moi non plus, tu me stresses là. Allez, Mimigal, mesdames et messieurs. Là, on est dans la chirurgie du cerveau, là. Attention, ça rigole pas du tout, là. L'arche d'énergie. Illustration Big Mama. Ouais. Ok, incroyable. Ils font des pizzas, ils font des illustrations Pokémon. Incroyable. Incroyable. Pomme de pique. Cocon fort. Il en reste encore là ? Ouais, t'as deuxième coup encore. Le Zarbi mais N. On l'avait pas eu. Ah oui oui oui, ça annonce. Ça annonce. C'est pas maintenant hein. Oh ça pue. Mais non, commence pas. C'est Unco. Allez. Attends, j'y arrive pas. Je y arrive vraiment pas. C'est dur. Hein. C'est collé. C'est très dur. Hein. Elles sont collées en fait. Elles sont collées. Oh, ça sent bon. Si, ça sent bon, David. Ça sent bon. Oui, ça sent bon. Allez. Allez, noir. Ouah. T'as rattrapé ton premier booster. Ça y est. C'est bon. C'est trop beau. Elle est trop belle. Elle est trop belle. Magnifique. Wow. Surface comme les autres. Petit print line, mais ça commence. Ouais. Oh, la carte est incroyable. Allez, tu m'as fait trembler. Ah, c'est trop beau. Bravo, Romain. C'est incroyable, Tiens. Ouverture de Neo Discovery première édition avec Sensei David Lafarge. Plaisir Laurent. Voilà. Et moi je tremble aussi, hein. Là c'est. Ouais, c'est pas que Parkinson. C'est pas une magique ça, hein. Ça rigole pas là. Je vérifie que c'est pas recollé. Non, ça a l'air bon là. Quand même, on regarde la qualité des boosters Wizard de l'époque. Hein. C'est quand même autre chose hein. Par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui. Hein. Ça va ? Ouais, ça va, ça va. Je me fais assister par le maître, hein, parce que
mettre des ouvertures. Tu as dit que c'était pas Magic, hein. Bah ouais, Magic les fait au ciseau, alors. Bah ouais, moi j'ai oh, pas le néo au ciseau, là. J'ai pas trop le choix, pas trop le choix, hein, sur Magic. Alors, un seul lourdeau, on l'a pas eu, celui-là. Oh si. Juste allez, pas de débugant. Hein. J'espère qu'on va avoir un Watt parce que j'aimerais bien qu'on le voit au moins une fois ce soir. Ouais. Très bien, parfait. Allez, pas de débugant, pas de débugant. Je sais pas si on l'avait eu. Si. Le I, on l'a eu, ouais. On l'a eu. Super alphabet que personne n'a encore réussi à déchiffrer. Une arche. Ça, on n'avait pas eu, ça c'est sûr. Ah ouais. Ça, c'est sûr, on n'avait pas eu. Bah si, on l'a eu. Non, mais dans tous les boosters. Ah, il troll. Ah, nous, on marche, hein. Ça, par contre, on l'avait pas eu, Zarbieux. Non, Zarbieux, on l'a pas eu. Ça, c'est le haut de notre avis. Et alors, tu sais qu'on sait pas pourquoi le Zarbieux s'appelle E. On sait pas. Oui, Ambrilex. C'est celui que t'as collé. T'as collé Ambrilex. J'ai demandé. T'as collé Ambrilex. Alors avec une illustration de Yoshida. Il est pas beau. C'est pas le plus beau. Il a ouais, il a un peu bon. Arrêtez. Bah, à l'image de ses fans finalement. Ammonita en pâte à modeler. Franchement, pour un Pokémon pâte à modeler, il est joli. Ah, ouais, on dirait presque. Un Brilex quand même. Voilà. Et un autre Zarbi, le M. C'est possible, hein. Alors ça commence. Alors j'ai vu. Alors il y a un Zarbi M, un Zarbi E, un Zarbi. Ah, bon, enfin bon, R. Alors hop. Tout doudou. Tout doudou. Zatu qui est quand même magnifique, hein. On peut dire ce qu'on veut pour une uncommon. Attends, c'est maintenant là, non? Non, c'est non. Attends, non, 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 c'est pas maintenant. Mais si, alors, qu'est-ce que tu nous fais? C'est maintenant. Mais si. Attention. Boktali. Allez, Noctali. Allez. Boktali. Ça colle, hein, t'as vu? Attends, et avec le stress, je te dis pas. Allez, allez, allez. 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 Hop. Oh. C'est bien. C'est très bien. Bon, allez, c'est bon. Il rejoint son pote. On l'a déjà eu, mais c'est pas grave. Attends, ça prend 80% d'énergie d'ouvrir ces trucs-là. Vous vous rendez pas compte? C'est deux marathons de suite. Pff, c'est la folie. Franchement, tu les regardes les deux, il n'y a aucun rapport. Aucun rapport. La surface, là, elle est magnifique. Magnifique. Vraiment magnifique. T'as les défauts d'origine de l'eau, elle est vraiment trop fort. L'eau aussi. Ça se voit que c'est sorti juste. Alors, merci pour ce moment incroyable. Ah, bonjour à tous. Ah, là, on est 2500. C'est un truc de fou. Franchement, les gars, l'émotion, c'est ouf. Et les boosters, c'est hallucinant, la propreté de booster. Les gants. Allez, alors les gars, on a eu des cartes magnifiques, on a eu Mentali, on a eu Colorior, on a eu Demolos, on a eu Cisaiox également. Et ouais, un très gros collectionneur à ma gauche, très gros collectionneur, et moi-même à côté qui a la chance de l'accompagner. Me fais pas rire non plus, s'il te plaît. Allez. Allez. Bon, j'en ai un qui va faire un malaise à côté de moi, donc on va y aller. Je me suis pas bien. Allez. Allez. Les amis. Voilà, même pour moi qui est né en 93, voilà, c'est totalement ma génération Néo, c'est incroyable. C'est des souvenirs de fou. Mimigal. Allez, c'est parti. Zarbi. Lequel Zarbi, là? C'est marqué dessus, hein. C'est le I. Zarbi. I. L'arche d'énergie. Ouh, un solo d'eau. Magnifique. Les cartes sont quand même très propres. Ça fait vraiment plaisir de voir. Merci. Ouais. Qu'est-ce qui représente le logo? Le petit temple. C'est le temple Maya. C'est un temple Maya. Temple Maya, hein. Granivol. Allez. Le Zarbi E. Je suis trop lent, c'est ça en fait? Non. En plus, je l'ai triché par ordre. Il est classe déjà par ordre de numéro. Ah, oh là 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 là, il est beau. Non, il est... Si, non, si. Non, c'est moi le deuxième. Non, non, il est pour moi, ta gueule. Vu qu'il était en avant, il doit en avoir un aussi. Hein. Donc toi, t'es troisième dans la liste. Ah merde. Ah là là, que d'émotion, mon jeu.
Oh! Est-ce, ah, est-ce que ça annonce le tyrannosif? Est-ce que. C'est là en plus, non? Là, c'est la deuxième Unco. C'est pas celui-là. Zarbi U. Je crois. Oula, oula, oula. Bon, il y a une holo, c'est bon. C'est quoi ça? Vaporisateur hyper rétrograde. J'ai eu la secrète. Allez, okay. C'est une des cartes. Monsieur Pokéli. Par contre, il n'y a pas de reverse, hein, c'est bizarre quand même. Hein. Monsieur Pokéli. j'ai un doute sur le booster. Allez. Allez. Oh. Cette carte, là, la Yanma est extrêmement compliquée. Elle est extrêmement compliquée à avoir en œuvre, la Yanma. La Yanma en œuvre. Bah tu vois, là il y a une print line. Pardon, excusez-moi les amis. On a une print line. Ça, ça sort labouré normalement. Ouais, ça sort labouré. Ah ouais, je confirme. Ah là là, c'est magnifique les amis. Bah merci, merci d'avoir eu la chance de pouvoir ouvrir ça. Bon, ok, je me lance. Alors, non. Ah, voilà. Commençons par le commencement. Je pense que c'est une des rares fois où les gens verront ton visage aussi à la caméra. Aïe, aïe. C'est un être légendaire. Aïe, 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 je fais n'importe quoi. Ah là là. Ils sont pas faciles à ouvrir. Ils sont... C'est magnifique. Aïe, aïe, aïe. Il y a les amis d'Obi, Valouz, salut à vous les gars. Mais j'ai pas envie d'abîmer les cartes en fait, qu'est-ce que je fais du coup? Allez. Et voilà, parfait, ça va sortir tout seul. Hein. Il a accroché la carte du fond, ça y est. Aïe, aïe, aïe. Mais non. Mais non. Mais non, tout va bien. Ah, what, on a jamais eu. Premier. Un petit inso lourdo ensuite. Il a une évolution aujourd'hui ou pas? Oui, deux sous lourdo. C'est une blague. Ouais, ouais, ouais. C'était une blague à notre à base, c'est une réalité aujourd'hui. C'est une blague. Il a une version rare de deux sous lourdo. Ouais, il a un truc en plus ou un truc? Il a 6 ailes. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Pomme des pics. On va être ban de Pokémon Compagnie. Bah c'est bon. Oh, nouvelle carte encore. Oh, incroyable. Et oui, tous les invités repartiront aujourd'hui avec leur arche d'énergie, les gars. Et leur Watt-Watt. Et leur Watt-Watt. Ne pas leurs Ambrilex. Vas-y, tu veux pas me lâcher un petit Ambrilex, Vincent, s'il te plaît? Il y en a pas. C'est 3 par display. Zarbi E. Ok, d'accord. Non, non, j'essaye pas de tricher, je regarde juste le F. Je crois le... Ouais. Je pense pas que le F on ait eu, non. C'est bientôt là, non? Oh, oh là là. Ah ouais. Ça, c'est banger. Bravo. Ça, c'est banger, les gars. Bravo. Non, c'est encore... Non, il reste encore une Nunko. Pas encore Corailon. Il reste encore une. Là, il arrive, le Corailon. Ou le Malos, sinon. Oh, c'est pas dégueu. Ça, c'est beau. C'est énorme, le truc. Pitié, pas une rare, bordel, je vais mourir. Attention. Allez. 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 Oui. Non. Oh là 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 là. Le tirage est magnifique, les amis. Je sais pas si vous vous rendez compte, le tirage, il est magnifique. Comme dirait notre ami, c'est la plus belle carte de type O du bloc Wizard. C'est la plus belle, il y a juste pas photo en fait, il y a absolument. Et même du bloc X, en vrai, je sais pas si t'en as des bien mieux. Hein. J'essaye de vous faire voir un petit peu le chat. Pattern insane. Le pattern est magnifique. La sleeve particulière de ce... Ah non, c'est magnifique. Les gars, ils vont vendre un booster. Vous imaginez, les gars. Sachez une chose, les amis, c'est qu'il y a potentiellement un booster lourd, les gars. Il reste au minimum un booster lourd. Dans ce qu'on va passer, voilà, il y en a un qui va passer, les amis. Il n'y a que 6 holos. Il n'y a que 6 holos pour le moment. Allez.
Donc, ce booster, il fait partie des plus légers de la display. Donc voilà. C'est une ouverture obligatoire ou pas? Non, c'est. Je vous conseille de le garder scellé. Voilà. Sur le poids, on est à 21,00. On fait partie des plus légers de la display. On est parti. Je lance. Prix de départ à 1€. Vous êtes prêts? Vous êtes... Est-ce que le chat est prêt? Vous êtes prêts? C'est lancé! On voit le montant tout petit. Par Rob Collector qui va à ce prix. Eh Rob, allez, 6000 euros. On vient de passer les 6000 euros pour ce magnifique booster. Allez, faites-vous plaisir, c'est le moment. 7000 euros. Oh là là. Crazy Tyranitar. 8000 euros. 9000 euros. Allez, on vient de dépasser 9000, on va chercher les 10000. Ah ouais, il n'y a pas de misclic les gars. De toute façon, il y a une pré-autorisation. Il y a une pré-autorisation, ouais. Allez, 9260. 9500 euros pour ce magnifique booster. Instant bid, ouais. On va chercher les 10K. Ça va y aller aussi. On va y aller gentiment. J'espère que... Record la plus grosse enchère sur Vought. Allez. C'est pas moi, ne regardez pas, c'est pas moi. Le doigt il est bloqué à droite. Il vient toujours gratuit, j'espère, bah oui. On aurait dû mettre Fred Fort. Là il y a un champion là. Attention Laurent, au-dessus de 100 000 après ça passe plus. L'application n'est pas prévue. €99 pour ce booster. On l'a fait, il est parti, il est vendu. Il est vendu. Bon, on s'ouvre des boosters. Bon, c'est pas tout, mais faut qu'on s'ouvre. Moi, je m'ennuie un peu. C'est pénible ton booster. Ouais, il est là. Je vais essayer de le bien l'ouvrir. Quoi, t'espérais l'avoir à 6K, c'est ça? C'est qui Rob? Il n'est pas très ému sur. Oh. Oh, une commune qu'on n'avait jamais eue. Oh. Ah ouais? Non, ça existe ça? Et en plus, j'ai bien ouvert le booster. C'est bien. On applaudit Romain qui a ouvert un booster. Effectivement, on l'avait pas eu. Illustration Noctel. Printline. Kabuto. On l'avait pas eu. Kabuto, on l'avait pas eu. Ah, toujours. Débugant. Ah, c'est toujours le deuxième? Ouais. Trop cher. What? Pomme de pique. T'as 5000 balles? T'as 5000 balles? Non. Mimigal. Ah ouais. Merci. Qu'est-ce qui se passe? Non, rien. Une taunt avec un... une carte. Zerbi. Ce silence cérémonial. Allez, l'arche d'énergie. On l'avait jamais vu. Ouais, c'est vrai. Je suis très content de l'avoir eu parce que c'est vraiment ma première fois. C'est rare, je crois. C'est très rare. Tu prends des risques. Crise d'acier. Oh, tu fais rien. Ok, Manos. Yes. Oh. Très bien, très bien. On a déjà eu. Vaporisateur. Il avait porté change, je crois. Allez, Romain. Ok, on est bien sur une holo. Allez. 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 Est-ce que c'est du noir? C'est du noir. Oh. Allez, oh. Allez, oh. Allez, Pablo. Pablo. Noctali. Allez. Noctali. Putain,
tellement. Oh, tu l'as balancé. C'est fini. Regarde-moi ça. Avant de la suivre, regarde-la, elle est trop belle. Trop belle. C'est trop beau. J'ai jamais eu une carte aussi belle. C'est trop beau. C'est quelque chose. Hein. Oh, putain. En fait, c'est l'effet qu'il y a sur la carte avec la lune. La lune qui est en arrière du Pokémon. Et qui vient éclairer tout le côté de la carte. Je sais pas si on arrive à le retranscrire en vidéo. Mais voilà. C'est quelque chose. Hein. Quelle beauté. Et suivant l'angle où on va la prendre, vous voyez le doré autour de la carte qui est juste sublime. C'est parti pour potentiellement le dernier booster de la soirée. Si tu pouvais trouver un stand relax pour une fois là, s'il te plaît. Eh, moi j'aimerais bien aussi. C'est un classique, on peut pas faire même, c'est impossible. Oh, un pomme de pique. Allez. En 13 du coup. Par contre, je rêve d'une arche. Hein. Une arche d'énergie, je. C'est okay, je vais finir avec ça. Je casse mon crâne. Vas-y, vois toi, en complément. J'ai pas de papier. J'ai pas de papier. Tita, vous l'avez déjà vu ou pas? Oui. Oh, non, il a dit je rêve d'une arche. C'est trop. Oh, un zarbi. On comprend aussi pourquoi elle a touché cette un cancer. Il est au lobby de l'Ocali ? Ouais, l'Ocali, c'est... Ok. Ah, toujours plus. On comprend bien pourquoi elle a touché. C'est peut-être que tu... Il est... Oh ! On l'avait pas vu ! C'est qui ? Fouinette. Mais non ! Fouinette. Mais c'est un short print. Bah écoute, on a peut-être la preuve. Ah non, bah voilà. Ah, t'es content pour un Ambrilex quand même, hein, je tiens à le noter. Hein. Ah, yes. Kabutops, je l'ai tué. Kabutops, t'es là en disant, c'est réel ou pas? Oh, ça c'est trop trop beau ça. Très très beau. Oh, le 1C4, il est fou. Y'a une holo, y'a une holo. Oui, y'a une holo. Oh, Corayon! Yes! Corayon! Vous avez le tout là, je crois que vous avez tout. Ouais, vous avez tout, Corayon et Oli, c'est. Quelle couleur? Allez, tira, mec. C'est ma couleur. Noir, noir, noir! Noir! Rouge. Rouge? Non, non, c'est. Mais non, c'est marron ça. C'est un Zarbi. C'est Zarbi, hein? Zarbi rouge? Comment ça se passe? C'est violet. Oh non! Il est très bien qu'il bute, ok, il est à ton image là, regarde-moi ça. Hey, des missiles. Mais trouver cette carte dans cet état. C'est une merde. C'est incroyable. C'est une merde. Elle, c'est génial. Super rolo. C'est très bien. T'es juste trop con pour le. Oh, c'est génial. Cette carte, elle est propre. Elle est vraiment propre. Il y a les pets de. Classique, quoi, mais c'est la série. Vaut mieux ça qu'un Zarbi, hein. Tous les jours. Je suis d'accord. Et franchement. Oh, elle est clean. Elle est. Oh, elle est clean. Méga clean. Tu vois, bah, elle va avoir 10. C'est trop bien. On aura un Kulbetoki en 10, les gens. Youpi. Ouais, mais un Kulbetoki en édition. Oui, c'est vrai. Il sera pop-up à tout jamais. Magnifique, magique. On va ouvrir ça. Donc, on n'est pas sûr du poids. Ah. S'il y a une rare, on s'arrête. Ah, ouais, d'accord. On prend. Allez. Fais ce qu'il veut, non ? C'est là que ça devient intéressant. S'il y a une holo, on continue. Et il y a moyen qu'on continue s'il y a une holo. On sait pas ce qu'il va y avoir dedans. J'accepterai la rare avec grand plaisir. Et un petit Noctalion rare. Un petit Tyrannosif en rare aussi, ça me va. S'il y a un Dardanian là-dedans, vraiment, c'est incroyable. Force et honneur. Regarde ton set. Oh là là. Quel massacre. Je vais pas spoil sur. Y a quoi en rare? Il regarde déjà la qualité de la carte, qui a l'air très propre. Ça me semble. Oui, ça me semble bête. Tartare, oui. Elle est stylée aussi, c'est vrai. Oui. On est bon. Ouais, je crois qu'on ouais. Est bon. Ouais, un ouais. Petit tartare là. Un petit tartare aussi, on dit pas non. Hein. Non, je vais en tirer un d'abord. On s'en fout de tartare. Combien de joueurs d'autres s'il a une holo là? Allez, petit tartare. Mimigal, l'énergie, débugant. Oh, large de l'énergie, je casse mon crâne. Oh, large de l'énergie, je casse mon crâne. Ensuite, on a débugant. Voilà. Ouais, débugant. Ensuite, on a l'arche. Non, on a une arche. Pas d'arche. Derrière. Pas d'arche ou pas? Arche ou pomme de pique? Ah, je suis pas d'accord. On a pas d'arche. Oh, s'il y a pas d'arche. Ça serait rare. Un seul lourdeau. Il y a pas d'arche. OMG, il y a pas d'arche. Zarbi. Zarbi. Il n'y a pas d'arche. Il n'y a pas d'arche. OMG, il n'y a pas d'arche. Corayon. Corayon, c'est bien.
Allez. Ça c'est une merguez. Coconfort. En plus c'est incroyable, ça c'est incroyable, ça c'est incroyable. Dans le deck c'était foireux. C'est lolo ça non ? Non non, c'est après. C'est après. Ok. Wow. Ça on prend, ça on prend tous les jours. C'est lolo là ? Oui. Allez. Du noir. Noir. Oh, On l'avait oublié celui-là. On l'avait oublié, mais... Ça reste une... Et on aurait été préparé le... Ça va. Au moins, c'est au moins elle est éteinte, tu vois. Non. C'est dans Mental, il n'existe pas en lolo. Bon, allez, c'est parti. Tyrannosif. J'aimerais bien. J'aimerais bien l'ouvrir. Techniquement, il n'y en a que 9, il en reste 3. Ouais. Il y aura un minima, ouais, un booster dans les légers qui sera parti. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Peu importe. On s'en fout. Je suis pas d'accord, ça. Oh, je vais ramener. Plus le 6 c'est déjà son petit. On dirait un booster fossile de derrière. Ouais. Oui, la couleur de l'arrière. Ça sent la fin du live. C'est pas grave. Ah. Une rare, un Octali. Allez. Oui parce que. Noctali ou tire. Oui. C'est bon, il est sécurisé. Même si on tire. Il est sécurisé, c'est bon. Tardi E. Deuxième. Ah, la fouinette. Granival. Ok, alors là. Oh, Axel Auto. Ah, c'est bon, on l'avait pas eu. Axel Auto. C'est une commune. On l'avait pas eu. Vous pouvez le remettre dans sa cellule. Oui, je te jure. Fermez-le. Oh, un peu stressé le refrain. C'est bon, c'est ok. Ouais. C'est ok. Allez, on l'a joué. En fait, on voit la teinte légère. L'œil de lynx. Bon, Tyrann aussi, frérot. Oh oui, la couleur, elle est bien différente. Il y a Nolo. Voilà. Oui. Allez, c'est maintenant. Allez, Nolo, c'est maintenant. Allez. C'est l'histoire qui s'écrit là. Oh non. C'est gris. Oh non. Magnifique. Non, c'est blanc. Non, c'est blanc. C'est blanc, blanc, gris. Blanc. Non, c'est magnifique. Ouais, c'est magnifique. Ok, ok. Non, c'est ok, c'est ok. Bon. On a commencé par Magneti. Est-ce qu'on finit sur Magneti? Non, j'ai mon bouchon. Il veut son Tyrannos. Mais par contre, mais soyons sérieux 5 minutes. Cette carte là sur le couleur métal, la moindre rayure. C'est elle est trop belle. Mais le type acier dans Neo est vraiment très très beau. Ah, là il y a Nicolas Gilles qui fait ses yeux laser là. Parfait. Trop beau. Allez. Dernier booster de la soirée. C'est pas, On va clôturer la soirée avec ce booster. Voilà, c'est le dernier. Le dernier. Allez là. Merci d'avoir été si nombreux. Merci à tous, je vois même plus combien vous êtes. On est parti, c'est le dernier booster. Vas-y Romain. Bon, qu'est-ce qu'on veut? Tyrannosif, Malos. En vrai, peu importe. Une holo ou une très belle rare. Un Octali en rare, ce serait. Le Ring, c'est pas mal. Ouais, aussi. Je l'aime bien. Oh là, tu l'as ouvert comment? C'est le dernier. Oui, ça sent pas mal. On est sur le dernier booster. Zerbi. Allez, c'est parti. Oh, une tiens. David, on a une arche. Oh non, c'est pas vrai. Attends, y a un booster. Bah oui. Le dernier. C'est le dernier. Toujours une arche. J'ai une arche. Un zorbieux. Allez, c'est le dernier booster. Allez, l'embridex, c'est pour moi. Merci. Il restera une holo dans les boosters. Au moins une holo, voire deux. Voire deux si y a rien. Dans mon art 7 en plus, putain. Ah là. Vous avez déjà tiré 10 holos. Au moins une et deux. Oui. Ouais, il y a 10 holos qui sont sortis. Au final, on aura ouvert 2 boosters. Merci, Magneti. Granivol. Fouinette. C'est bon, Fouinette, on l'a pas eu pendant. La posée était bonne, mais c'est 10 boosters, mais... très chaud. Mais Vincent a fait de la merde. Mais non, arrêtez. Zarbi D. Oh. Le dé de la victoire. Non, c'est pas la bonne maître. Le dé de la défaite, là. Mais tapez-le. Oh, trop beau. Trop beau. Trop beau. Ouais, ça sent bon, ça. Oh oui, ça sent bon, je pense. Oh, ça sent bon. Oh, ça sent bon. Non, ça sent bon, ça sent bon. Ça sera la dernière. On terminera le dernier booster avec une holo. Allez, dernier booster de. Dernier booster ce soir, ce sera une holo. Je vais m'en tirer là. Dernier booster de l'ouverture, mesdames et messieurs. Si c'est le tirage, allez, les couleurs. Oh le tartan ! Ça va. Le tartan ! On a évité Zarbi. On a évité Zarbi. Tartan shiny.
shiny le tartare. Il reste un booster lourd dans les autres. Il reste une autre potentielle. Potentiellement. Il reste Cyrano's. Ils ont augmenté de prix alors. Si, dis lui, sortez-le vraiment. Je suis d'accord avec toi. Ah ouais, shiny, la rare. Entre la rare et le lot. Il est shiny, hein, frérot. Hein. Voilà, vous avez une rare là, vous voyez bien la différence. C'est comme ça qu'on arrivait à voir justement que la. C'est comme ça qu'on a réussi à voir assez facilement en fait qu'il y avait une lot ou pas avec l'attente. On voit bien la différence, c'est une très belle. Oh, cet arbre derrière qui. Oh, c'est trop beau. C'est magnifique. Non, c'est l'ombre de tartare, c'est pas un arbre. C'est... Mais j'ai la même. J'ai aussi cette dégradation de couleur, enfin cette décoloration sur le lot que j'ai moi aussi. Ouais, ok. C'est trop beau. Donc c'est limite un tartare chez nous. C'est vrai, on dirait un génie un peu. Hein. Ouais. Oui, si, je veux moi. Merci à tous d'être, d'avoir suivi le live. C'était une grosse dinguerie quand même. On a eu les deux meilleurs hits possibles quand même. Donc c'était l'objectif. Dinguerie. On a merci eu. À tous, ouais. Merci à tous les invités qui sont là aujourd'hui. Voilà, merci à tout le monde. Parce que... Merci à Vox. Un gros, gros merci à Vox. Merci à Vox parce que mine de rien, ça permet de faire ce genre de vidéo. Et ce genre de live, parce qu'avant c'était beaucoup plus compliqué. Merci à vous tous d'être présents ce soir, de nous avoir suivis dans notre délire. On essaiera de se retrouver pour une autre dinguerie, mais on pour verra l'instant... plus tard. Néo Destiny Edin. Allez, hein. Néo Destiny Révélation. Ouais, Révélation Edin, regardez, on la sort. Hein. Non, non, c'est pas vrai. Mais voilà, en espérant que vous aurez aimé ce live ce soir. Frérot, c'était historique. Il n'y a rien à dire. Voilà, c'était historique. Historique. Voilà, merci à tous. On terminera là-dessus. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci bien. Bonne soirée. Bonne soirée à tous les amis. Au revoir tout le monde. À bientôt.